Festival Off, c'est très simple à comprendre. On ne fait pas seulement un festival, on fait un festival pour les gens. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire permettre à tous publics divers, de trouver son bonheur en soirée. Ceux qui peuvent aller au spectacle payant, ceux qui ne peuvent pas pour des raisons diverses. Et satisfaire les différents goûts musicaux de toute cette population. Le Off, c'est ça. Mais les cafetiers sont vraiment le pilier de ce festival. Et ça fait partie des missions et du sens de ce festival que d'inclure les acteurs territoriaux, que ce soit les cafetiers, que ce soit les acteurs culturels. C'est ce qui se découvre au fil de la nuit, ce qu'on ne peut pas toujours prévoir. Les aléas de la météo, les aléas des musiciens, les réactions du public, la bonne humeur des serveurs, tout ça, ça fait partie du festival. Alors la fréquentation, elle est très liée à une chose que personne ne maîtrise et qui est la météo. Ce soir, on a eu une petite pluie. Mardi, on a eu une très grosse pluie. La fréquentation s'en ressent. Mais à l'endroit où nous sommes, avec cette belle ambiance, on voit que tous les gens sont contents d'être là. Les tables sont pleines. Tous les lieux arrivent à faire leur soirée. Le public semble heureux partout. Et ce qu'on apporte, nous, là-dedans, c'est la coordination, la communication, une certaine forme de logistique et de présence. Il faudrait juste qu'il manque deux musiciens, qui soient là. Ils sont pas là? Ouais, je sais pas. Tu remets la musique ou... Tu peux remettre la musique, ouais. Ça se passe très bien, les gens sont contents, ça sent, ils restent sur la place jusqu'à la fin, donc ça veut dire que ça se passe bien. Dommage, il y a la pluie cette année. L'an dernier, on avait du beau temps toute la semaine et ça se ressent, il y a moins de gens. Mais non, super. Alors en fait, le conseil général nous met à dispo une liste d'artistes que chaque cafetier peut appeler, hein, pour contacter, pour les faire passer chez eux. Le cachet, c'est pour nous, il faut les déplacements également, le logement. Moi, personnellement, j'ai mon appartement, il est plein d'Espagnols. Parce que bon, c'est vrai que la programmation ici à Pitrac est assez importante. Je fais venir des gens d'Espagne. Je les loge chez moi et c'est un peu le camping. Ce soir, c'est la Chocolata qui est passée l'an dernier. Elle présente en fait son nouveau disque. On est plus sur du jazz flamenco, quelque chose de moderne. Des lieux particuliers comme le Café Musique par exemple, qui fait un peu la frontière entre le in et le off et qui joue un rôle de transmission et de pédagogie très très important. Donc le off, c'est tout ça. Les scènes ouvertes que nous avons mis en place se pratiquent depuis 4 ans au Café Musique. Et c'est une volonté, justement, comme son nom l'indique, d'ouvrir au plus grand nombre la salle du Café Musique, qui est une jolie salle faite de bois, de pierre, qui est vraiment propice à la danse et à la musique flamenca. Donc d'ouvrir à tous les stagiaires ou à tous les amateurs de cette musique et pour venir pratiquer en toute liberté, sans avoir forcément un grand niveau, mais en tout cas de pouvoir se faire plaisir, partager en tout cas leur passion. Bien aussi, c'est qu'il y a pas mal aussi de. C'est très convivial, puisqu'il y a pas mal de familles qui viennent écouter, s'initier, découvrir. Voilà, moi je trouve que c'est des moments de partage qui sont vraiment très conviviaux.